Madame Second Vice President, now let me congratulate you and say you are now in charge of this office like a Second Vice President. You have to work like a team with all the members of Bureau. We need in this Bureau member to bring the new MP. So I thank you, wish you all the best here in Pan Africa. You are welcome. So. Thank you, Madam President, and you have your seat. Merci beaucoup. Vous prenez vos fonctions. Merci. Et nous vous laissons découvrir votre bureau. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. My congratulations. I'm happy. Welcome. Thank you. Thank you for all. My sister. Merci beaucoup. Je peux dire que c'est une fierté d'être là en tant que parlementaire panafricaine. Et d'être la deuxième vice-présidente du Parlement panafricain représentant les pays de l'Est, pour moi, c'est une grande joie. Et je remercie le bon Dieu. Oui. Et je remercie également l'ensemble des parlementaires qui ont voté pour moi et qui ont eu confiance en moi. Okay. Donc, je remercie tout le monde. Tous ceux qui ont de près ou de loin également ont travaillé avec moi dans le cadre de cette campagne. Et je me sens fière d'être parmi cette famille du Parlement panafricain. Merci beaucoup. Merci de me féliciter. Mais je crois que pour moi, c'est une grande fierté d'être ici parmi tous les pays du continent africain. Je me sens très heureuse d'avoir été élue. Cette année, c'est l'année de la femme, du droit de la femme. Et le Parlement panafricain est un vrai avant-gardiste. Et il a démontré que les femmes ont leur place. Car c'est une troisième femme qu'ils ont élue aujourd'hui au niveau du bureau du Parlement panafricain. Et ça, nulle part ailleurs, vous ne le trouverez. J'en suis fière. Effectivement, le président, il a une équipe qui l'accompagne dans le cadre de son travail. Et cette équipe, c'est le 4 vice-présidents dans un premier temps que compose son bureau. Donc, je pense que je pourrais apporter... Et quelque chose de nouveau ou bien aider à ce que le bureau puisse travailler d'une manière harmonieuse et de permettre également l'atteinte des objectifs du Parlement panafricain dans le cadre de notre plan de travail. Je peux dire que vu mon expérience en matière de santé et sociale, je travaille dans ces deux domaines-là en particulier, je crois que je pourrais contribuer dans un premier temps à trouver des solutions dans le cadre de la mortalité maternelle et infantile en Afrique, parce que c'est trop élevé par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres continents, et devrait également dans le cadre de la participation de la femme dans le développement de l'Afrique. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est l'un de nos objectifs pour que la femme africaine soit épanouie, qu'elle soit libre et qu'elle puisse faire tout ce qu'elle peut apporter à son continent.